bienvenue sur BNews USA. BNews. Le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des Bayous Louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression Cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, BNews USA, épisode de 91. Moi, c'est Patrice, bonsoir. Stéphane. Toujours Stéphane. Oui, un homme croissant de gens m'appelle Stéphane, donc je vais m'y tenir. Les petits croissants du dimanche matin. Très bien. Tant qu'on m'appelle pas Bernard, ça va. Ou Robert. Je crois que finalement, je m'appelle Stéphane. Ah, oui, d'accord, très bien. Eh bien, Stéphane, c'est l'épisode 91, on va boire une bière québécoise. Oui. Mais on va pas le faire tout seul. Ah bon? Oui, j'imagine que ça sera dans le titre de l'épisode, mais si ça ne l'est pas, c'est une surprise pour vous, chers auditeurs, auditrices. On a, non pas un, non pas deux, mais trois invités ce soir. Oh. Oui, ou ce matin, ça dépend quand vous l'écoutez. Voilà. Dans les transports en commun. On va boire ça comment? La paille, on va partager? Oui, alors, c'est une grande paille. D'accord. Parce qu'ils sont en direct du Québec. Oh! Oui, oui, oui. Alors, on a dans l'émission, ce returning champion, comme on dit dans la boxe. Voilà. Kevin! De l'âge yes! de bière. Yes! Salut les gars! Comment ça va? Ça va très bien, merci. Très très content de t'avoir de retour. Ben, je suis content d'être de retour dans BNews USA un an plus tard. Oui. Ben, tu sais, on prend un peu notre temps parce que tu nous avais demandé une bière brette l'année dernière et on l'a trouvée cette année. Donc, tu sais, on prend notre temps, nous. Ouais, ben, j'osais pas revenir si ça c'était pas fait. J'aurais eu honte. Eh bien, tes acolytes sont là aussi? Ben oui, exactement. Dans le fond, les trois hommes des tavernes de l'Âge de bière sont là avec moi, les boys. Salut tout le monde. Alors, vous vous présentez. Alors, il y a RF. Hey, salut. Moi, c'est RF dans l'Âge de bière. Puis, j'étais avec vous autres. Puis, je suis bien content d'être là. Eh ben, nous, on est très content de t'accueillir dans BNews USA pour la première fois. Yeah! C'est comme mon baptême. Oui, ton baptême du feu. Baptême du feu. Baptême de la bière. Et le troisième acolyte, c'est évidemment Phil, que l'on ne présente plus. Moi, c'est Phil, de brasseur dans l'âge de bière. Donc. Enfin, un professionnel, quelqu'un qui va savoir de quoi il parle. Voilà. Ben là, professionnel, c'est à revoir, là, mais c'est ce qu'il fait dans la vie. Ouais. Moi, je suis un peu impressionné parce que des fois, souvent, je dis des bêtises et on me corrige sur les réseaux sociaux. Je te tape sur les doigts. Et voilà, et là, ça va être en direct. Ben, là, je suis dans mes petits souliers. Alors, les gars, ce soir, on va faire deux épisodes, en fait. On est tellement contents d'être ensemble qu'on va faire deux épisodes à la suite, ou qui seront sortis à la suite ou pas, on verra, ça sera la surprise du chef. Mais ce soir, on va boire... Alors, est-ce qu'on parle de la bière tout de suite, ou est-ce qu'on a des histoires de bière? Est-ce qu'on peut avoir des news, des choses comme ça, du blabla au départ? Ben ça, en fait, c'est vous les maîtres de la cérémonie. Bon. Je vous laisserai Tiens, décider. Écoutez, j'ai une histoire. On est chez vous. Ok, ok. J'ai une histoire de bière. Justement, je voudrais votre avis tous les quatre. Okay. Dimanche, c'était quoi? C'était dimanche. Oui, je suis allé dans un magasin et j'ai vu une bière devant laquelle je suis passé 1000 fois avec une canette moche, avec un nom qui ne m'appelait pas du tout. Ça ne m'a jamais attiré. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, pourquoi j'essaierais pas celle-là aujourd'hui? Oui. C'était marqué Breakfast IPA. Mm-hmm. Je dis Breakfast IPA. Déjà, ça, je connais pas. Je connais les Breakfast Stout, mais Breakfast IPA, bon. Alors, j'achète. Je dis, bon, on va bien voir. Moi, j'adore, bah, vous le savez, auditeur, auditrice, si vous écoutez l'émission, je suis fan de Hazy New England IPA. Et je verse la première canette et je vois qu'elle est trouble. Ouais! Je vois sur la canette qu'il y a de l'avoine. Ouais! Ouh. Et j'ai vu que c'était 4,9 degrés. Je cherche depuis quelques mois une Hazy IPA qui ne tape pas sur le système et dont on puisse en boire deux ou trois sans être, c'est bon. Complètement bourré. Éméché, ouais. Voilà, éméché. Justement, c'est une tendance que j'attendais. Que j'observe, et là, justement, il y a la Goose Island Solo qui vient de sortir, qui est meilleure que certaines Session IPA, 3 degrés. 3 degrés. Et ils l'ont d'abord testé au mois de décembre sur Chicago, et sans publicité ni rien, ils ont vu que ça marchait, et maintenant on l'a partout dans les magasins.
Et véritablement, l'impulsion d'achat, c'est quand j'ai vu 3 degrés, j'ai dit « Ah !» Parce que je sais qu'effectivement, dans les pays scandinaves, en Angleterre aussi, ils arrivent à faire des très bonnes bières avec un degré d'alcool très faible, et c'est peut-être, ça sera peut-être la première fois. Alors, je l'ai goûté, bien évidemment, c'est assez réussi. Ah ben justement, la mienne aussi. Parce que je pense que les IPA, c'est plus facile de descendre en degré d'alcool qu'avec les lagers, parce qu'il y a déjà cette présence, si tu fais bien ton travail, une présence de mangue. Donc là, il y a véritablement un goût de mangue, une petite amertume en touche finale. C'est vraiment une bière pour quelqu'un qui voudrait s'initier, ou pour celui qui conduit, justement. Est-ce que tu te souviens, Stéphane, on est allé dans l'Avenue Pub et j'avais goûté une New England IPA à l'avoine, qui était sublime. Sublime. Eh ben, je me demande si c'est pas celle-là. Oh. Elle a le même goût. Oh là. Mais à 4 degrés 9, c'était l'air très très bas. Et donc, en fait, cette bière qui ne m'a jamais attiré l'œil, que je trouve moche, le nom, etc., j'ai donné sa chance et en fait, je suis tombé complètement amoureux. Alors, ma question, c'était, est-ce que ça vous est arrivé d'acheter une bière qui ne vous plaisait pas, le nom, le visuel, etc., pour vous dire, mais en fait, j'aurais dû la goûter depuis longtemps, quoi. Oui, régulièrement. Ouais, vraiment souvent. Souvent. Oh. Des fois, je fais justement ça. Je prends une bière qui ne m'attire pas à première vue. Je dis, je vais lui donner une chance. Je la connais pas, c'est sûr, parce que ça m'attirait pas à la base. Mm-hmm. Des fois, c'est là qu'on fait les belles découvertes. Mm-hmm. Puis en fait, même avec une brasserie qui m'a déçu, mettons, une fois ou deux, mais je me dis tout le temps, le produit, tu sais, on le dit souvent à l'épisode, là, nous, on les goûte, on essaie tout le temps d'écouter au moins à deux moments différents, t'sais. Parce que souvent, ton humeur influence un petit peu ce que tu bois ou ce que tu voulais boire. Ouais. Fait que, on essaye souvent, là, tu sais, d'y regoûter, même si on l'a pas aimé à ce moment-là, mais... grosse journée de travail ou je sais pas, bref, y a plein de trucs qui peuvent arriver. Donc, on essaye souvent d'y regoûter. Puis là, même, j'ai une microbrasserie, je la nommerai pas parce que c'est presque rendu un running gag, mais elle est tombée en canette dernièrement. Puis je me suis dit, ça y est, je les réessaie. Je les avais toutes, j'avais essayé quelques produits en bouteille, j'avais vraiment pas aimé. Là, elle est tombée en canette. Je vais lui redonner une chance pour voir si... La conservabilité de tout ça est mieux aussi. En tout cas, bref, s'ils ont amélioré leur recette ou leur transport ou autre. Si c'est celle que je pense, RF, on va probablement avoir un des brasseurs dans l'âge de bière au courant de l'année. Ouais, je vais être malade ce jour-là. Mais en fait, tout ça pour dire que ça fait un moment que je cherchais une Hazy IPA qui a un taux d'alcool bas, mais qui est quand même une douceur. Et j'ai trouvé, j'étais super content d'avoir trouvé ça. En termes de marketing, les IPAs représentent 70% du marché de la bière craft. Ah oui, 70%. C'est énorme. Donc, aux États-Unis ou dans le monde? Aux États-Unis. Ouais. Donc, ça doit être similaire pour vrai, nous. Ouais. Moi, je dirais que le Québec est plus diversifié. On a beaucoup, beaucoup de styles de bière. Ben, nous, c'est saisonnier aussi parce qu'en hiver, t'as toutes les stouts qui sortent leur nez. Mais la grosse partie des consommations. Et j'avais vu ça d'ailleurs en Floride où il y avait un gars qui était rentré dans un magasin qui avait des bières très intéressantes, à part que lui ne savait pas les vendre, le gars. Il y a un surfeur qui est rentré dans le magasin et qui a dit « Est-ce que vous avez des IPAs ?»« Où sont vos IPAs ?»« Où sont vos IPAs ?» Voilà, le gars, il a même pas demandé les bières craft ou n'importe. Non, où sont vos IPAs ?» Et le gars lui avait répondu médiocrement « Oui, il y en a un peu partout. » J'ai dit, pas commerçant, le gars. Non, le gars, j'avais envie de dire « Est-ce que je peux prendre ton boulot ?» Mais pour faire du pouce un peu à ce que vous dites, nous, il y avait une de bières qu'on avait goûtées à l'âge de bière. En fait, précisément, l'épisode 41, ça, elle s'appelait la Hachi Mini. La canette était vraiment pas charmante. D'un orange cône de construction avec des écritures noires et un dessin uni, de couleur uni noire. C'était une Session IPA, justement. Mm-hmm. Puis c'est une brasserie qu'on connaissait pas vraiment, qui s'appelle Helm sur Bernard. Helm comme H-E-L-M. Puis finalement, on a quand même une belle surprise. Là. La bière était ouais. intéressante. Mais la canette est vraiment pas répugnante, mais spéciale. Elle accroche les yeux, mais c'est pas particulièrement beau. Voilà. Ouais, c'est ça. Ben, moi, en fait, ce qui m'a donné envie de goûter celle-là, c'est que je suis sur un groupe Facebook de gens locaux dans ma région, dans notre région, qui postent un peu des photos. Ah bah tiens, j'ai goûté celle-là, elle est très très bonne, etc., etc. Et j'ai vu quelqu'un qui avait une canette de cette brasserie, dont j'avais jamais goûté les bières avant, et qui disait, c'était au Superdome, c'était à New Orleans, pour aller voir, je crois que c'était un match des Saints, j'imagine, et qui disait, c'est la meilleure bière au Superdome et tout. Mmh. C'était leur double IPA. Et dans le Superdome, maintenant, ils vendent la Holy Roller, toutes les superbes bières de la Nouvelle-Orléans. Donc je me suis dit, si ce gars-là pense que celle-là, c'est la meilleure,
et que j'ai jamais goûté cette brasserie, non, je devrais peut-être la goûter. Mm-hmm. Et ben, écoute, j'ai eu une bonne idée parce que vraiment, là, je suis tombé complètement amoureux de cette session New England IPA. Je savais même pas que ça existait d'ailleurs parce que c'est un style que j'aime. Mais au bout de deux, tu sens qu'il faut, ou trois, il faut arrêter, quoi. Mm-hmm. Alors que celle-là, sans problème. Et celle dont je parle, de Goose Island, le marketing était parfait parce que j'ai regardé, j'ai eu trois. Sur le chiffre 3 degrés. Tu vois tout de suite. 3 degrés, puis dessous, il est marqué 98 calories, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Je me suis dit, tiens, ils ont fait une bière. Et donc, ça a été impulsif. J'achète. C'est même pas le prix, tu vois. J'achète. Tu vois. Ce que je voulais voir, c'est... Et c'est assez réussi, en définitive. Et c'est un marché prometteur. Oui. Et des fois, je me dis, tiens, si j'étais brasseur, ben, je me serais spécialisé là-dedans. Est-ce que c'est pareil un peu au Québec, comme ça, maintenant, des IPA qui commencent à baisser les taux d'alcool? Les gens n'étaient pas trop session pour l'instant, mais c'est quelque chose qui se fait quand même pas mal. C'est une tendance qui était prévisible parce que la bière est mainstream de toute manière. Donc, il y a eu une période où les gens devenaient foufous avec leur bière. Ça continue. On a encore d'autres qui continuent à faire des bières de dingue. Mais il y a une... Déjà, pour rentabiliser leur entreprise, et puis le goût des consommateurs aussi, c'est des choses qui sont... moins dingue que par exemple la bière au gumbo, ça. Ça c'est sympa, ouais. Ça c'est ouais, bière au gumbo. Il faut que vous goûtiez un jour. Ça c'est rigolo. Ça c'est un truc vraiment expérimental, mais tu sens très bien qu'ils vont pas faire des ventes énormes avec ça. Expérimental. Quand t'as ça dans caractéristique d'habitude, tu peux t'attendre à quelque chose de funky pas mal. Ouais, absolument. Ouais. Là, c'est très rigolo. C'est loufoque, ouais. D'autres histoires de bière ou des news ou quelque chose que vous voudriez partager? Oui, j'ai vu dernièrement un ami sur Instagram qui a fait un post, je vous invite à aller le follower, il s'appelle Insanity Joe le zytologue, et il a reçu un cadeau d'une brasserie québécoise, et j'ai eu le regret de constater de quel type de bière il s'agissait. En fait, de base, c'est une session cuvée à New England IPA, ce qui est quand même correct, mais c'est une glitter beer. Alors, je vous annonce que Echo Session L, en collaboration avec Broadway Microbrasserie, ont une Glitter Beer qui vient de sortir sur le marché à 3,9% d'alcool. Donc, une session New England IPA avec des levures norvégiennes. Alors, il a pris une vidéo, puis on voit là, l'espèce de nuage de lumière tourner. Les Glitter Beer... Est-ce que c'est des bières à barre de danseuse, ça? Ben, je sais pas. Je pense que c'est la bière qui sert à créer Twilight. C'est probablement la ouais. qui brille. J'ai vu une bière bleue l'autre jour, mais bleu fluorescent, quoi. Ouais. Bleu néon, tu sais, le bleu ultra. C'était une sour. Bleu pipi de bleu pipi de bébé dans les annonces de couche. Ah, exactement. Ouais. C'est exactement ça. Exactement ça. Peut-être que ça a le même goût, d'ailleurs. Peut-être. Nous, la semaine dernière, on a bien bu une brette qui avait des relents de pisse de chat. Mais c'était bon. Ouais. C'était un bon chat. Ouais, c'était un bon chat. Vous m'avez fait rire pas mal. Oui, il y a des gens qui ont rigolé sur les réseaux sociaux. Fait quoi, la Glitter Beer est rendue au Québec. Eh ben. Nous, on avait RF, vas-y. Ouais, j'allais juste dire, moi, je trouve que... Les glitter beers, c'est comme une fille qui a besoin de se maquiller pour que tu la remarques. Ça vaut peut-être pas le coup. Je dis ça, je dis rien. Hein, j'ai juste... C'est ça. Bon, non, on n'a rien dit non plus. C'est une bière disco. C'est ça, c'est une bière disco. Ouais, mais le disco, ça arrêtait à la fin des années 80. Voilà. Tant mieux, d'ailleurs. Oui. Alors, est-ce qu'on présente la bière de la semaine? On présente la bière de la semaine. Allez. Yeah. Mais quelle est-elle? Vas-y, tu veux t'y aller, Pat? Ou... Eh bien, c'est la fin du monde. Ben non, c'est pas la fin du monde. Je veux dire, on est encore là, Pat. Je veux dire, on continue à se parler. Il n'y a pas de mort, pas de Troisième Guerre mondiale. Pas encore, mais c'est encore, la bière la fin du monde. Oui. Je crois qu'on la trouve partout. Hein. Oui. Parce que nous, on l'a trouvée chez nous. Oui. Alors, je voudrais remercier un auditeur, Carl, qui est un auditeur québécois, qui a le compte Saints Québec sur Twitter, qui est un fan des New Orleans Saints, qui est venu regarder un match. Et il nous a amené des bières. Et dans la sélection faisait partie la fin du monde. Oui. Voilà. Wow, c'est la fin du monde de la brasserie Unibrew de Charlie. Voilà. Ouais. Et yes. ça doit bien faire pour moi un quart de siècle que je ne l'ai bu. Hein? Oui, facilement. Parce que je me rappelle la première fois que j'ai dû la boire, c'était en 1990, par là, tu vois, donc... Oui.
C'est quand même... Si tu as bu une fin du monde en 1990, eh bien, ça devait être une des premières, parce que c'est l'année de fondation de Unibrew. Et à l'époque, on disait en France que c'était la bière de Robert Charlebois, le chanteur. Effectivement, ouais, parce qu'il y avait eu une espèce d'entente de publicité entre Unibrew et lui là pour des spectacles puis tout ça, là, qui il y avait quelque chose là-dessus. Ça s'est passé en 92, il y a eu cette entente-là, deux années après la fondation. C'est dans ces années-là, effectivement, que je trouvais cette bière, que je pouvais la boire. Peut-être pas le gros format comme ça, c'était des bouteilles plus petites, si je me rappelle. Ça, c'était les gros formats, c'était pour les chimées, pour les bières belges. Moi, j'ai un ami qui a fait les recherches sur Google l'autre jour, les 50 meilleures bières du monde, elle était dedans quand même. Elle a un score à tout péter, oui. Elle a un bon résultat. Je suis allé m'informer un peu, voir qu'est-ce que les gens disent sur Internet. Sur Untappd, elle a une moyenne de 3,97 sur 5. Oui, ça change. Très élevé. Oui, très élevé. Et je me rappelle à l'époque, j'avais été un petit peu déçu parce que je m'étais dit, mais pourquoi ils essaient de faire une bière comme les Belges? Voilà, tu vois, c'était un petit peu, surtout que bon, à l'époque, j'étais complètement dans les bières belges. On a la chance de pouvoir trouver en France puisqu'on est le premier importateur de bières belges. Et alors que je m'attendais à quelque chose de différent, je trouvais qu'ils avaient fait une bière à la belge. J'avais évidemment beaucoup apprécié la bière, mais j'avais été un petit peu surpris par ça. Mais oui, j'avais pas compris comment le marché de la bière allait s'orienter. Après, il y a eu les New Belgium, il y a eu tout ça. Les Belgiens qui ont carrément calqué les bouteilles de West Veteran. J'ai posté la photo l'autre jour. Unibrew a été pas mal les premiers au Québec à amener une palette de saveurs belges comme ça qui sont fabriquées localement. La raison est simple, c'est parce que dans les débuts, dans les premiers balbutiements, il y a un brasseur belge en fait qui s'est joint à l'équipe. Donc, il a amené ses connaissances. Unibrew ont la réputation, du moins, d'utiliser sensiblement la même levure, la même souche de levure qui est une souche belge. Chez nous, des fois, on dit que les bières d'Unibrew vont avoir la même signature. Ils vont goûter pas mal toutes la même chose, à quelques exceptions près. Oui. Fait que on reconnaît une bière Unibrew parmi 100 autres, là, très facilement. Alors, est-ce que vous la buvez souvent, vous? Est-ce que c'est une bière que vous buvez ou pas du tout? Non, en fait, il y a trop de nouveautés. On n'est pas juste dans la nouveauté tout le temps. Là. J'achète souvent mes classiques, mais il y a tellement de nouveautés et de nouveaux trucs qu'on fait « Ah, ça, c'était vraiment bon. Ah, ça, c'était vraiment bon. Ah, ça. » Que à toutes les semaines, tu sais, j'ai facilement 10 bières en tête qu'à toutes les semaines, je ferais « OK, je vais prendre ces 4-là cette semaine. La semaine prochaine, je prendrai autre chose. » Fait que malheureusement, Unibrew a tombé un petit peu de côté. Ceci étant dit, je pense que c'est un beau tremplin. Tu sais, Unibrew, c'est vers ça que j'ai comme amené des nouvelles palettes de goût à mes goûts de bière puis tout ça. Ouais. Tu sais, que j'ai comme développé mon goût. Fait qu'il y a ça aussi qui est intéressant avec Unibrew, puis c'est accessible. Tu sais, que t'habites dans un petit village ou d'une ville un peu plus grande, t'es capable de trouver de l'Unibrew. Puis je passe la parole à Kev. En fait, on dit ça, mais en réalité, dans l'âge de bière, on en a bu deux, des bières d'Unibrew. Ouais. On a bu la À tout le monde, qui est la bière, c'est une saison belge qui a été faite en collaboration, pour Dave Mustaine, le chanteur du groupe Megadeth. C'est vraiment une collabo, hein, il était là sur place, puis tout. Ouais. C'est vraiment une collabo. Collabo, ça c'est... Ça, épisode 5 de l'Orge de bière, je fais des publicités faciles. Puis on a aussi goûté la saison 13, qui est une autre collaboration avec Dave Mustaine, celle-là, c'est vraiment la première bière d'Unibrew qui sortait de l'ordinaire pour... C'est les deux premières qui sortaient de l'ordinaire. Les deux premières. Ouais. Fait que, épisode 32, la saison 13 d'Unibrew qu'on avait bien aimé. Les deux, ils avaient bien surpris. C'était plutôt vraiment intéressant. En fait, je pense que les deux, moi, ça avait tombé dans des rachats. Je l'avoue, je les ai pas rachetés encore. Ça va venir. Moi, je connaissais bien la maudite. La maudite, on l'a trouvée très facilement. Oui, mais le degré est élevé, table. Oui, voilà. Le degré, jamais ça pour vrai, le pourcentage. Ben, celle qu'on boit à soir, c'est 9%. C'est quand même assez gros. Mm-hmm. Et toi, Phil, tu parles pas depuis tout à l'heure. Unibrew, c'est une bière c'est une marque que tu t'achètes de temps en temps? Ou c'est quelque ou chose que je connais beaucoup parce que c'était pas mal ce qu'on buvait au cégep. Pour avoir, surtout la fin du monde, justement, pour devenir feeling. Ça, pour cinébriété, aller à l'état d'ébriété, ça allait super vite. C'était super agréable. Mais étant donné que je travaille dans le domaine, j'ai aussi accès à de la bière gratuite. Eh oui. Mais c'est sûr que la bière qui ne coûte rien est beaucoup plus tendante. C'est surtout ça que je vois. Ah oui, absolument. Alors, quel type de bière? Je vois que c'est une triple belge, c'est ça? Ouais,
Ouais. Exactement, une triple belge. Sur la bouteille, là, je sais pas si les auditeurs peuvent voir la photo, mais quand même assez facilement reconnaissable. On voit la carte du Québec, en fait, on voit le bout du pays du Québec. D'accord. Ouais, moi, je vois toujours le profil de la reine sur la carte du Québec. Le profil de la reine? Oui, en haut à gauche. Là, c'est sûr qu'on le voit moins sur celle-là, mais quand on voit sur une carte monde ou sur Google Maps, je vois toujours le profil de la reine. Ah, peut-être, oui. Où est-ce qu'il y a la baie du Tisson et la baie James? Ouais. C'est ça? OK, je jamais... Ouais. Très bien. Alors, c'est une triple belge, 9%. Ouais. Yes. C'est quand même donc, assez, c'est une ale. Assez canon, oui, effectivement. Bon, eh bien, je vous propose de l'ouvrir. Allons-y, immédiatement. On était timés, mon gars! C'était fou. Hey, je tiens à dire que c'est vraiment nice de partager une bière... à des milliers de kilomètres chaque. Ouais. Parce que mine de rien, même entre moi, RF et Phil, il y a environ 5000 kilomètres. Puis on peut multiplier par 3-4 la distance entre nous et les gars de Binous. Fait que c'est cool de partager ça avec vous autres. Mais c'est fou quand même. Hein? Moi, je sais pourquoi elle s'appelle la fin du monde. Parce que c'est la fin du monde tel qu'on le connaît maintenant. On abat des frontières. Oh! Ah! Oh! Tu es poète, RF, ce soir. Like ouais, un peu quand même. Ça y arrive. C'est joli. On se fait-tu un gros à essai bière en groupe? Allez. Oh oui, ça serait bien ça. Fait que Phil, cesse ton versement, puis verse ça proche du micro. Oh, OK. On va te laisser verser proche du micro. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, go. C'est juste de la mousse, là. J'ai trop de mousse! Moi aussi! J'ai fait une job de... C'est parfait. Moi, je me suis arrêté juste au bon moment, dis donc. Bon, ben pendant que la mousse décante, je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Elle va être courte. Ça va être plate. C'est une joke, Kev, c'est une joke. Mais vas-y, Kev. Alors, Kev, un petit garçon. Bon, oui, il y a quand même vraiment de la mousse, faut le dire. Il y a beaucoup de mousse, effectivement. Oh. Je sais pas, c'est Phil, t'as servi ça comme un cadeau. Nous, on est nuls. Ben, moi, j'essaie de faire plus de son pour que le micro le capte vraiment bien. Voilà mon erreur. Moi aussi. J'ai voulu être flashy, tu sais. Ah ouais, moi aussi. Tu vois, j'ai le même problème. C'était risqué. Fait que là, on a tous des verres différents. Je vois Stéphane avec son teku, qui y va pas de main morte. Moi, j'étais avec une pinte traditionnelle. Moi, j'ai une tulipe. Moi, j'ai un ballon. Toi aussi, tu as une tulipe. Et moi, j'ai une tulipe aussi. Bon, frère de tulipe. Yes. Bon, moi, j'ai... j'ai 4 doigts de mousse. Ah ouais, moi, j'ai 2 mains de mousse. Facilement. Une bonne main, certain. Ah, moi, j'ai juste 2 doigts, mais je plie les 2 du milieu, là. Non, moi, j'ai un bon doigt et demi. Ah, on voit le professionnel, regarde. Ah ouais, regarde, c'est parfait, là. C'est parfait. C'est vraiment cool. Non, c'est une bière qui est vraiment charmante. Elle a un bon pif, en tout cas, je la sens déjà, vraiment. Ah oui. Je pense que je m'en ennuyais sans m'en rendre compte. Ah, la levure, c'est l'odeur de levure, c'est ça, hein? Oui. C'est saison du pont partout. Ah oui. Oui, exactement, ça rappelle les bières belges, je dirais. Quoi. Ouais, c'est fait par un belge, fait qu'on n'est pas vraiment loin de là. Ah oui, complètement. Ouais. Là, je sais que je suis pas déjà un expert là, dans le goûtage de bière, même si ça fait un an que je bois de la bière avec mes 2 comparses. Ceci dit... J'ai le rhume vraiment, vraiment, vraiment solide. Je suis à côté ben raide sur les causes grippe de jour pis tout. Fait que ça se peut que je goûte pas les mêmes affaires que vous autres, mais ça fait partie du truc. Je retrouve le nez d'encre. Stéphane, il y a... Station gustative. Il y a ce nez d'encre dont on parlait la semaine dernière. On retrouve le nez d'encre. J'adore ça. Qui est très comme... appréciable, oui. C'est la levure, hein. Ouais. Ah, j'adore ça. Vous écoutez, puis je fais pas le lien de l'encre exactement. L'encre, c'est au niveau de la mousse, tu as... Est-ce que je sais pas si vous étiez quand vous étiez petit, ouais. Il y avait des alors est-ce que vous écriviez avec des stylos à encre? Ouais. Oui. Des plumes. Ouais. Non. Des plumes. Ben, non. Les stylos fontaine, moi j'écris avec pendant longtemps. Voilà. Mmh. Eh bien l'encre qu'il y a dans les stylos, ce que vous appelez les stylos fontaine, c'est cette odeur là. Ouais. C'est également une odeur qu'on peut retrouver dans le vin, même si c'est pas une odeur noble, soi-disant. Oui, il paraît que c'est un défaut dans le vin. Oui, c'est un défaut. C'est pas un défaut pour moi dans la bière. Non plus. Ouais, le vin et la bière, il y a beaucoup de contrastes. Oui. Des choses que dans le vin, c'est blasphématoire, puis dans la bière, c'est recherché. Ouais. Mm-hmm. C'est fou, ça. C'est ce qu'on appelle l'odeur phénolique. C'est ça. Et c'est exactement. Ça.
Justement, je pense que Stéphane en parlait de ça dans le dernier épisode. Mm-hmm. Les phénols. Puis, au niveau de la couleur, bon, on a une robe blonde, avec une bonne turbidité, une bonne une petite effervescence à l'intérieur. Une effervescence quand même assez active. Ah oui. Il y a une bonne effervescence. C'est quand même assez propre des bières belges, je trouve, l'effervescence active. Mais cette couleur de bière-là, là, ça me fait vraiment penser à une bière de pub. Je vois cette couleur-là, là, c'est ça que je veux dans ma pinte, dans un pub. C'est ça que je veux. Ben, en tout cas, souvent, là, c'est ça ou c'est un beau petit orange quasiment un petit peu brûlé. Puis... Ouais, c'est vraiment une belle couleur. Ouais. Cette odeur de levure, mais je suis fan de cette odeur, moi. Une couleur presque coin. Oui, un peu. Puis il y a un petit fond d'acidité, là, on le perçoit là, vraiment. Il y a un petit fond d'acidité là, à tout ça. Ouais. La mousse, c'est côté zeste. Ça fait presque saison. D'orange. Comment? Zeste. Moi, je trouve qu'il y a un petit côté zeste d'orange qui sent au niveau du nez. La pleure, là, vraiment la pleure d'orange. C'est ça le zeste. Oui. Vraiment. Bon, alors, c'est l'heure de goûter. Allez, on y va. Ah, ben, Stéphane, on ne vous a pas attendu. Je m'en ennuyais, finalement. C'est solide. Il y a comme un rafraîchissant au travers de tout ça. C'est vraiment, vraiment intéressant. On finit avec une chaleur, avec le 9% d'alcool. Oui, on finit avec la chaleur de l'alcool. Ouais. Ouais, c'est de toute beauté, ça. Ça rappelle la saison du pont. Je trouve qu'il y a un goût de pêche Melba, d'abricot. Oui. Qui est parce qu'il y a le côté justement Brady, qui doit ça fait vraiment pêche Melba abricot. Dès que je l'ai mis dans la bouche, j'ai senti cette odeur, ce goût. Et effectivement, il y a une petite aussi amertume en fin qui se prolonge. Ah, c'est la grosse place. Et l'alcool est présent, mais il est très agréable. Ouais, puis une très légère amertume qui se marie vraiment bien avec la pêche. Là. Il y a une très légère amertume. En fait, j'ai comme l'impression que c'est une pêche un peu. C'est pas assez mûr, là, une petite affaire. C'est vraiment chouette. Une pêche dure, là. Tu sais, les pêches qui sont plus acides un peu. Ouais. Du côté agrumes qui est super intéressant, il y a un côté céréal, un côté pain. Et en rétro-olfaction, tu as le côté Brady. Tu as le côté pain, tu as le côté, mais comment on appelle ça, brioche. Brioché, pain brioché. Ouais. Tu as ce côté-là en rétro-olfaction, c'est absolument remarquable. En parlant de la rétro-olfaction, ça me fait penser à quelque chose. Je vais vraiment sauter du coq à l'âne. Mais j'ai appris dernièrement les techniques de dégustation du gin. Ouais. Et c'est 90% de la rétro-olfaction, dans le sens où tu dois prendre ta gorgée de gin avec aucune présence d'air. Tu retiens ta respiration. Tu déglutines et après ça, tu respires puis tu sens la chaleur puis les saveurs remonter. C'est vraiment impressionnant. Puis la bière, c'est le contraire quasiment. Mm-hmm, faut que tu fasses bouger l'air dans ta bouche pour être capable d'aller chercher toutes les saveurs puis activer les gaz. C'est d'un alcool à l'autre, c'est impressionnant. Mm-hmm. Et comme on disait tout à l'heure, le vin et la bière, les goûts qui sont recherchés sont complètement à l'opposé des fois. Oui, pour moi, c'est pas un défaut. Un vin est raté s'il n'a que ce goût d'encre, mais c'est pas forcément. Pour moi, c'était pas nécessairement un défaut, en tout cas. Mais bon. Mais c'est marrant parce que quand Stéphane c'est pas la première fois qu'on boit une bière qui a ce goût-là, qui a cette odeur-là dans l'émission. Et quand la première fois qu'il a dit encre, j'ai tout de suite connecté avec mon souvenir d'enfance. De ces stylos à encre et de l'odeur de cette encre. Ça vous rappelle pas? Est-ce que vous comprenez la connexion entre cette odeur et de l'encre? Mm-hmm. Je me rappelle souvent que mon crayon fontaine avait justement fui dans mon... Et cette l'odeur de l'encre, c'est ça. Moi, mais je dirais qu'il y a plusieurs bières qui m'ont fait cette impression-là. J'ai eu l'occasion, là, à quelques moments dans ma vie, de travailler le cuir. Puis je me rappelle que quelques bières, là, c'est rien d'autre. Ça me rappelle vraiment l'odeur du cuir ou quelque chose comme ça. Ouais. Tu vas aller le chercher dans les bières à fermentation spontanée, souvent. Ouais. La plume à encre, là, ça m'appelle moins. Mais oui, j'ai eu un peu cette connexion-là avec une odeur qui est un peu vraiment autre. Puis le goût d'une bière. Puis, tu sais, on en a une couple d'exemples, là, dans les diverses dégustations qu'on a faites, là. Mine de rien, on les calculait l'autre fois, puis on a bu au-dessus de 140 bières au dernier décompte. Dans l'émission? Là, dans l'âge de bière, ouais. C'est fou, hein? Ah, attends, je reçois un télégramme. Mon foie me dit qu'il prend des vacances.
Je croyais qu'il ne parlait plus, ton foie, d'ailleurs. Non, mais il me parle encore, mais moi, j'ai juste l'échantillon, hein, mon vrai foie, je ne l'ai plus. tu t'en as commandé un autre? Ouais, non, mais c'est Kevin qui est parti avec. Il a fait des enfants. C'est déjà des morceaux de foie avec le même l'ADN similaire qui sont pas loin. Pour vrai, étrangement, j'ai un métabolisme qui est vraiment un peu étrange. Je te laisse faire la parenthèse. Je sais pas si vous ressentez, mais je la trouve de plus en plus douce. L'amertume que j'ai sentie un petit peu au départ, là maintenant, je sens un côté beaucoup plus fruité, beaucoup plus voilà. C'est un petit peu ouvert. C'est peut-être la levure au fond aussi qu'on va. Ça peut-être changer le goût à un moment donné. Je ne sais pas. Je sais pas parce que nous on a pas encore évidemment vidé toute la bouteille, ouais. Donc il nous reste, j'imagine, de la levure encore au fond. Il y a un petit texte sur la bouteille, messieurs. On pourrait peut-être prendre quelques instants pour le lire. Qu'est-ce que vous en dites? La voix file. La voix à file. La voix à file. File, une belle voix. D'accord. La fin du monde recrée le style de bière développé à l'origine au Moyen-Âge par les moines trappistes pour des occasions spéciales. Bière blonde légèrement houblonnée avec des notes de céréales, de fruits et d'épices suivie d'une douce et sèche finale. C'est de toute beauté. Je vais vous donner un exemple pourquoi c'est pas moi qui lis les textes. La fin du monde recrée... Je l'ai pas pantoute, je l'ai pas. C'est un métier. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas ça. Un adolescent qui mue de 35. La bière, la fin du monde. Ah, c'est vrai, en fait, c'est moi le doyen de l'épisode. C'est moi qui dis qu'il mue encore. C'est vrai. Mais là, ici, je t'annonce que c'est plus vrai. Ah non, c'est ça. Alors, tu es le doyen de l'épisode. Ouais, de l'orge de bière. Je ne sais pas d'ailleurs qui est le doyen de l'épisode. Je crois que c'est toi, Stéphane. On pourrait mettre des sondages. Moi, j'ai une petite idée. Je dis ça de même. Non, je tiens mes cheveux, en fait. En fait, tu as 22 ans. J'ai 22 ans. Ouais. Ah, c'est quelqu'un sur le est-ce que c'est le produit, là, juste assez de gris? <T'sais, Ouais. rire> juste une touche, tu vois. Ouais, je comprends. Ce que j'aime à 22 ans, c'est qu'il a dit tantôt que ça faisait 25 ans qu'il n'avait pas bu de fin du monde, donc ouais. Il avait bu oui. À moins 3 oui. Ans la première fois. Je pense qu'il n'avait pas l'âge légal à moins 3 ans. Il était en projet. Merci, papa. Non, mais... Ouais, c'est remarquable. C'est vraiment remarquable. C'est remarquable, ça mérite les notes, effectivement. Ouais. Je connais plein de bières qui essaient d'atteindre ce niveau-là. C'est un petit peu... Et ils ont aussi su le garder, je pense. Tu sais, même si... Ouais, ils sont très constants. Ils sont très constants là, dans leur production. Là, très, très constants. Le goût est vraiment fidèle d'une bière à l'autre. Là. Surtout que c'est ça qui est difficile en craft beer, de garder une stabilité de... D'un brassin à l'autre, et toujours avoir le même goût qui va ressortir de la même façon. C'est vraiment cool, ça. Donc, c'est quand même une maîtrise des techniques qui est assez solide. Mais effectivement, goût floral qui ressort maintenant, tu sais, en rétro-olfaction, encore une fois de plus. Ouais. Non, parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'elle est évolutive. Elle était beaucoup plus vive quand on l'a ouverte, et là, tu en es un peu plus reposée, peut-être aussi avec le fond de la bouteille, peut-être la levure, je ne sais pas. Ouais, je pense, ouais. C'est un délice, et... Oui, vous la boiriez avec quel type de nourriture? Parce que ça, c'est une bière que je boirais bien avec la nourriture. Et moi, je suis tellement pas bon pour les pairings de bière. Pour moi, mon fromage à pâte blanche, ça me paraît obligatoire. Enfin, tu sais, nos bris de mou, camembert... Ben, à cause de la force d'alcool, je suis d'accord avec le fromage pour... tu sais, avec un bon pourcentage de gras quand même, là. J'irais peut-être avec ça. La plupart avec de mes... Avec une raclette. Ouais. Oui, avec une raclette. Ouais, tout dépendamment ce qui est dessus, mais ouais, ça pourrait être intéressant. Puis, je pense à les fromages à raclette qui fondent pas, là, mais qui sont comme le Dorimi, qui sont vraiment très salés. Bon, je trouve que là, ça apporterait un bel équilibre parce que cette bière-là, je trouve, elle a un petit quelque chose de salé, mais c'est très, très, très léger. Fait que je pense que le salé viendrait équilibrer tout ça. C'est parce que ton Dorimi, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'ils fondent pas, il va aller chercher son côté grillé sur la plaque. Ouais. C'est un peu comme si tu veux prendre une grillade. Je pense que c'est une bière qui irait bien qu'une grillade ou de la viande rouge. Exactement. Ah, oui. Tu sais, je pensais qu'un poulet créole. Tu vois, avec la peau justement du poulet, c'est les épices utilisées, qui sont parfois des épices des Caraïbes en définitive. Ouais. Je crois que les deux, ça se marie. Je sais pas si vous avez ça au Québec, vous. C'est le poulet créole. Nous, on a tout au Québec. Ouais, il y a beaucoup de... Y a, pour vrai, côté culinaire au Québec, on a eu gros melting pot de pas mal tout. Ça fait 15... Okay. Ça fait, mettons, 15 ans, là. V'là 15 ans, mettons, les gens regardaient les nouveaux bistrots, tout ça, puis ils faisaient...
ouais, c'est ben trop fancy, c'est trop, ils se donnent trop, tu sais, c'est trop de recherche. Puis tu sais, sans vouloir, tu sais, nous on mangeait de la lasagne, tu sais, c'était toujours les mêmes plats qui étaient servis là. Et là, un coup qu'eux, ils ont fait leur trace, mais là, tout le monde s'est dit « Ah, mais c'est possible! » Puis depuis les 15 dernières années, on a vraiment une évolution et de la clientèle et des trucs offerts. Là. On a vraiment une grosse, grosse amélioration culinaire puis de goût, de saveur, de texture. Tu sais, la cuisine fusion, il y en a, y en a beaucoup. Là. C'est plus aussi... underground que c'était, puis même la cuisine moléculaire, tout ça, fait que bref, ouais, ouais, c'est vraiment cool pour ça. Ah, très bien. Alors là, en rétro-olfaction, il me montre des trucs, c'est pas de la violette, c'est presque au niveau de la violette, c'est un peu inférieur, donc je resterai au niveau plante, parce que je n'arrive pas à identifier la plante en définitive. Mais il y a vraiment quelque chose qui, effectivement... Alors, le côté épicé qu'ils disent, oui, on le sent sur la langue, je sais pas si vous sentez un petit côté poivre blanc, ouais, quelque chose comme ça, qui demeure, mais... Mais là, je sens vraiment rétro-olfaction, je sens des trucs qui... C'est pas de la violette, c'est un petit peu inférieur, mais c'est très, très herbeux. Enfin, pas, très fleuri, voilà, très floral, je dirais, très printanier, voilà, je sais pas. C'est en écoutant Stéphane déguster une bière que je me rends compte que ma langue ne sait rien. non, mais en fait, il m'impressionne. Non, mais c'est faux. C'est Kirk, fou. C'est faux. En fait, c'est en écoutant Stéphane qu'on se rend compte qu'on fait pas les liens qu'on devrait faire. Tu sais, faut comme goûter plus de trucs pour pouvoir les rallier à ce qu'on goûte tout le temps. Ben, c'est ça, Stéphane, il y a une palette gustative quand même assez impressionnante. Puis j'écoute Binous, ça fait longtemps, puis à chaque fois, il m'impressionne. Puis je suis comme, ben voyons, puis là, tu me sors des... Tu sais, il sort des... Ah, ça goûte le gâteau de telle région, nana. Je suis comme, aïe, c'est super précis. Puis tu m'impressionnes. Stéphane... Je me suis fait le palais sur le vin, tu vois. Et donc là, effectivement, tu as un côté épice que tu peux sentir, qu'on sent tous, poivre blanc, épice sur la langue, qu'on peut retrouver dans certains vins du sud, des que tu connais, vraiment de certaines régions de France, et ça peut même aller sur des goûts de cuir que là je ne sens pas. Là je ne sens pas les goûts de cuir, mais voilà, c'est souvent des goûts qui vont... Le vin, bon, je me suis fait le palais sur le vin, sur la bière également, parce que j'adore la bière, et sur les alcools, d'autres alcools, je ne suis pas trop allé vers le whisky et compagnie, parce que je sentais que j'allais boire ça comme de l'eau, donc... donc j'ai des... C'est vrai que t'as une démarche d'œnologue, en fait. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Je veux pas paraître inculte, mais dans les sortes d'arbres, vous connaissez le tremble? Oui. OK, OK. Tu sais, quand on a un tremble jeune, puis qu'on est capable d'enlever l'écorce, tu sais, on est jeune, on veut se faire un bâton. Il y a quelque chose dans cette bière-là qui me rappelle l'odeur de cette écorce-là. L'écorce jeune. L'écorce un peu verdâtre, mais qui est... Verte, mais elle goûte pas... c'est pas tout à fait du gazon, mais c'est tout proche. Mais il y a quelque chose qui me rappelle ça. La chlorophylle, ça goûte le vert chlorophylle un peu. C'est ça, la plante, là, tu sais, quand on parle de la saveur de la plante. Oui, mais là, on est un peu plus loin du gazon chlorophylle. T'sais, on est plus proche. C'est beaucoup plus bois. Tu sais, je trouve ça un peu plus brut, un peu plus... À l'odeur, ouais, au goût. On est loin de la Sober Carpenter IPA, là, qui goûtait juste la chlorophylle. Mais RF, tu trouves ça au goût ou à l'odeur? Un petit peu au goût, là, vraiment sur la finale, un peu mélangé à l'amertume. C'est normal parce qu'on a tous des expériences gustatives différentes, des cultures différentes. Je vois parfois des Américains qui relient des goûts de bière, des bonbons que je ne connais pas. Donc après, tu vois, je suppose déjà, ben oui, ça rappelle les bonbons de notre enfance. Non, je n'ai pas vécu aux États-Unis, donc... Puis en même temps, on a tous des raccourcis, hein. Des fois, on ne l'a pas exactement, fait qu'on se dit, ouais, ça me rappelle ça. Ouais, mais en même temps, on est un petit peu à côté, tu sais. Mais le plus proche comparatif qu'on a, c'est celui-là. En même temps, n'importe qui pourrait regoûter et dire, pas du tout, là, on est complètement ailleurs. Ouais, mais tu as plus de comparatifs que moi. Moi, le plus proche, ça serait ça. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, c'est effectivement dans l'amertume, il y a un côté vert. Ouais. Ouais, c'est l'amertume en fait qui te donne ce côté un peu de plante, un peu le vert, je dirais, de plante verte, quelque chose comme ça, oui, qui de cet ordre-là effectivement, et qui se dépose, je sais pas chez vous, mais qui se dépose vraiment, je dirais, pas tout à fait au fond de ma langue, mais vraiment sur l'arrière de la langue, et arrière côté. Voilà, arrière côté et dessous, tu vois. Ouais, voilà, ouais, effectivement vraiment. Dessous là. Ouais. Ouais. Ça va chercher les glandes salivaires, voilà. Alors que le côté poivré, c'est vraiment sur le dessus de la langue, même la pointe de la langue. Ça attaque tout, ça attaque toute la langue, en définitive, ce truc. C'est...
C'est une bière qui est très complexe en saveur, puis je pense qu'elle est très enveloppante aussi. Là. Elle va vraiment aller chercher plusieurs sensations dans l'ensemble de la bouche, parce que autant dans sa température, en chaleur d'alcool, qu'à la fin, on la sent bien. Puis c'est pas une bière qu'on regarde puis qu'on se dit... Elle va être forte. Tu sais, on est habitué de boire une bière forte, ça va être foncé, ça va être une bière qui va être sirupeuse à la Stout impériale. Mmh. Mais ça a 9% d'une blonde, quelqu'un qui fait pas attention, il peut être surpris, tu sais. Oui. Effectivement, puis la chaleur, elle nous quitte pas, hein. Mais je sais pas vous, là, mais moi, mon oesophage puis tout, là, je sais exactement où est-ce qu'il passe en ce moment, là. Tu sais, la chaleur, elle nous quitte vraiment pas, là. Fait que c'est très agréable. C'est pas... Voilà, c'est chaleureux, c'est pas du tout... Pour vrai, moi, c'est une bière d'automne. Automne, hiver. C'est une bière d'automne. Tu sais, quand c'est humide, là, que c'est, tout est orange dehors, puis tout ça, là, il commence à faire froid, toute chose étant relative. C'est vraiment. Ça dépend, t'es où. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, on n'a pas de froid. En Louisiane. Froid du Québec, mettons. Parce que pour nous, en Louisiane, avec un temps, bon, vous, ça va vous faire rire. Nous, on a une humidité peut-être à 50-60%. Ouais, c'est ça qui est fou. On a une pression vraiment que le froid. Et cette bière nous réconforte. Oui, ça fait partie de ces types qui nous réchauffent. Parce que nous, bon, c'est pas les températures. Il fait quoi, 2 degrés là. Là, il fait 2 et on est à l'article de la mort. Là. Voilà, c'est cette sensation qu'on a, que le froid pénètre jusqu'à nos os, d'où des problèmes articulaires le matin quand tu te lèves. Un froid humide, c'est un froid qui qui traverse au travers de tout. C'est ça. C'est ce qu'on a nous. Nous, on connaît ça à Montréal ou à Gatineau même là. Montréal-Québec. Montréal-Québec, puis partout où est-ce que les fleuves ou les rivières passent, là, vraiment très très près des villes, ce qui est normal parce que l'établissement des premières villes, c'est toujours avec un cours d'eau. Mais effectivement, là, à Montréal, là, eux, ils disent « Ah, il fait moins 10! » Non, il fait moins 25! Là, ça n'a pas de bon sens. Moi, puis Phil, en Abitibi... On est très continental. Sec, beaucoup plus sec comme temps. Là. Okay. Nous, avant de dire qu'il fait vraiment fret, moins 25 avec le facteur vent, tout ça, là, c'est correct. Là, ça commence à être vraiment désagréable. En bas de ça, ben en haut, en tout cas, tout dépendamment comment on le voit. Là, en tout cas, plus chaud que ça. On peut avoir un moins 50, mais avec un bon manteau, on le sentira pas de temps. Ouais, c'est ça. Oh, c'est incroyable. Parce que c'est sec. Mais, c'est incroyable. Puis ça dépend vraiment du vent. T'sais, on peut avoir un moins 35, mais... Ouais, il fait moins 20, mais il y a tellement de vent qu'il y a un refroidissement éolien de 15 degrés de plus. Ouais, c'est la mort, là. Tout le monde sort dehors, ça n'a pas de bon sens, Puis on peut avoir un moins 50, pratiquement pas de vent. Ouais, mais notre manteau, il fait toujours la job, là. On s'habille pas en cabochon. Pour apporter une précision, c'est peut-être des auditeurs de BNews USA qui n'écoutent peut-être pas encore l'âge de bière, mais qu'est-ce qu'ils font? Non, mais c'est ça. Ou ceux qui sont peut-être pas habitués avec l'accent québécois. Quand on dit frette, alors c'est plus froid que froid. On s'entend, c'est froid comme et une espèce. Ouais. Non, il y a froid et frette. Il y a frais, froid. Mais frais, c'est moins pire. Ouais, c'est ça. Frais, c'est une petite fraîche. T'as besoin d'une petite froid. C'est ça, exactement. Une petite laine, un petit quelque chose pour se couvrir. Généralement, un frais, on va voir ça en automne ou en fin de printemps. Tandis que le froid, c'est quelque chose qui est constant, qui est régulier, c'est l'hiver. Et le fret, c'est vraiment... Là, on grelotte. Quand on parle, il y a de la boucane qui nous sort de la bouche. Les cils se collent après 10 minutes. On doit gratter la voiture avec un balai pour être capable de voir à travers les fenêtres. Comment vous faites pour habiter dans une région comme ça? Je comprendrai jamais ça. Vous avez oublié une étape entre le frais et le froid. Il y a le frisquet. Il y a le frisquet. Ah non, on dit ça aussi en France. Oui, en France, il fait frisquet. Et là, on parle pas des gâteries pour chat, là. Pas frisquet. Ça n'a pas rapport à ce frisquet. Ben, c'est frisquet, c'est encore autre chose. Ah, c'est autre chose, autre chose. Une autre étape. Je me disais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas parlé d'urine ou de chat, ouais. Puis, tu sais, avec le fret, vient souvent un de nos qualificatifs préférés, tu sais, Chris, il fait fret, ou esti, il fait fret. Ah, là, il y a des adjectifs qui passent. Ouais, il y a des adjectifs. Fret en tabarnak, c'est beaucoup plus frais que frais en esti. Il y a des différents degrés, alors. Ouais, plus que le mot est long, plus ça fait mal, habituellement. Puis, il y a des consonances dures dedans. Vous connaissez Kevin, donc j'imagine que vous avez déjà un certain bagage en sacre québécois. Oui. On a des amis. Bien avant de vous connaître, on avait des amis. Ben, on avait un chef. Notre. Je me rappelle jamais de son grade.
Il était quoi? Il était notre quoi? Coordinateur. Coordinateur, bref. C'était notre supérieur ici, quand on est arrivé. C'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport, d'ailleurs. Il vient me chercher à l'aéroport, et puis on était en voiture, et puis on parle et tout. Je dis quand même, les Cajuns, ils ont un drôle d'accent. Puis au bout d'un moment, j'ai réalisé qu'il était québécois. Oh en fait, je dis, ah, d'accord, c'est ça l'accent, ok. Mais ce qui est fantastique, et puis, avec ces mots-là, c'est que nous, on peut les mettre en verbe, on peut les mettre en adjectif, on peut les mettre en adverbe, on peut tout faire. Ouais. T'sais, on peut vraiment les transformer très à, ouais, à notre guise pour des mots qui sont uniquement catholiques et qui désignent des objets quand même sacrés. T'sais. Donc, on rajoute des préfixes comme « des » qui vont un peu accentuer, mettons, on dit « Chris ». Ben, « décrisser », c'est pire. C'est, on détruit souvent. C'est partir. C'est un peu le négatif de la chose. C'est, ça retire quelque chose. Décalisse, ça veut dire « votant ». Ouais, c'est ça. Ah ouais. Moi, je connais Christon Camp, moi, je connais. Ah, OK, ben tu vois, ouais, c'est ça, ouais. C'est excellent. C'est dans un autre adjet. Là, on est vulgaire, on fait même pas ça nous autres-mêmes dans notre propre show. Ben, moi, je suis toujours plus lousse invité chez les autres, hein. Ah, oui, oui, comme oui, chez, oui. Nous, chez nous, je suis tout le temps habillé, chez les autres, pas tout le temps. Tu sais, c'est ça. C'est pour ça que l'âge de bière est pas en vidéo, soit dit en passant. Mais historiquement, les Cajuns en Louisiane ont des souvent des racines pas loin du Québec, mais de l'Acadie, parce qu'ils ont été déportés de l'Acadie vers la Louisiane pendant le... Ben, je sais plus c'est dans quel épisode, mais je pense que c'est dans vos 20 ou 30 premiers, Binous. Je me souviens, il y avait une expression qui était maringouin qui est utilisée en Cajun. Ouais. Le maringouin est aussi utilisé ici au Québec de façon très, 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 mais le wawaron aussi... Ouais, en fait, le wawaron est une expression, je crois que c'est en Bretagne ou en Normandie. Ouais. Ils disent encore wawaron. On a bu la bière la wawaron l'autre jour, d'ailleurs, dans l'émission. Ouais. Et apparemment, vous dites ça, vous aussi, au Québec, en wawaron. Mais en fait, si c'est là qu'on voit le voyage, en fait, de la Normandie au Québec, à l'Acadie. Et puis, en Louisiane, on voit le voyage des gens avec la même expression. C'est génial. Tu sais, ça fait un gumbo parce qu'il y a une paroisse, les Avoyelles, par exemple. Eux sont venus avec Napoléon. Et donc, ils viennent de France, direct. Oui. Et j'ai mon voisin, il me dit, mais alors, thunder, comment tu dis thunder? Tu dis tonnerre? Il fait oui. Il me dit, mais comme moi? Je fais, mais tu parles français. Il comprenait pas. Ouais. Il comprenait pas que les jours de la semaine, les mois, les couleurs, les animaux généraux, pas les animaux locaux, les verbes, tout ça, ben, c'est du français. Ben oui, ben, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui disent, ah ouais, je parle français, mais c'est français cajun. Moi, je dis, mais non, le français, c'est le français. Ouais. Non, il parle quoi lui? Il parle quoi? Il parle c'était du français cajun. Mais j'ai dit mais non, arrêtez. De français c'est du français. Ouais, effectivement. Ouais. Puis le français c'est beau quand même. C'est évolutif en tal. Mais oui. Vraiment, il se lâche lousse. Puis je trouve ça drôle à toutes les fois qu'il y a une polémique. Tu sais, nous il y a souvent des espèces de réformes dans le français, tout ça parce que les gens sont trop habitués de prendre un certain raccourci ou tu sais bon. Fait que là les gens sont toujours comme outrés. Comme nous, un exemple simple. Moi quand j'étais à l'école, un cheval, des chevaux. Oui. Ben, nous, ça a changé maintenant. Des chevaux avec un S, ça peut se dire parce que tout le monde dit des chevaux, puis ils mettent pas chevaux. Fait que. Tu sais, il y a des gens qui sont outrés de ça. Pis, ah, tu sais, il faut garder la pureté de la langue. Non, non. Notre langue, elle est belle. C'est ça, une langue, c'est vivant. C'est ça. Une langue, c'est. Si les gens l'utilisent pas, au pire, laisse les deux choix. Mais oui, donne-le que ça se peut, tu sais. Fait que, ouais. Puis tu sais, j'ai été positivement surpris par les francophones hors Québec qui vivent au Canada et qui vivent parfois dans des communautés où ils sont très peu à parler le français. Mm-hmm. Eh bien, leur français ressemble très étrangement à celui de Louisiane. OK. On dirait... Je parle ils sont influencés par l'anglais. Oui, voilà, c'est ça. Quand même ils vivent quand même entourés. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est... Effectivement, dans mon travail, j'en parle à quand même plusieurs. Moins maintenant, mais je parlais à plusieurs compagnies, là, mettons, là, qui étaient hors Québec. Puis effectivement, quand j'étais capable de leur parler français, effectivement, il y avait un petit quelque chose qui me rappelle un peu, j'allais dire votre accent, en tout cas, cet accent, là, tu sais, qui était moins un petit peu québécois. Ceci dit, ils étaient toujours contents quand mon anglais était meilleur que leur français. Ah ouais. Parce que souvent hors Québec, bref, ils se débrouillent vraiment mieux en anglais qu'en français. Ouais. On parlait des, je pense, hors onde, on parlait des différences d'accent au Québec selon la région ou la ville.
c'est quand même assez surprenant dans une province au sein du même pays, un peu comme on disait Marseille, nord de la France, tout ça. Tu sais, on a vraiment des accents distincts. On a la Gaspésie, on a le Saguenay-Lac-Saint-Jean, même Montréal a son propre accent. Même l'Abitibi, en fait. Montréal, c'est particulier. Montréal, c'est très particulier parce que c'est très, très, très hétéroclite. Il y a vraiment des gens de toutes les nationalités, de toutes les langues. Donc, quand on va aller parler à des gens de Montréal, souvent, ils vont sortir des termes d'une langue qui est même pas de l'anglais. Là, ils vont sortir beaucoup d'expressions créoles, d'expressions arabes, d'expressions hispaniques. Dans le langage, je vais pas dire de la rue, mais on va dire dans le langage commun, pas le langage d'affaires, là, mais dans le langage commun, il y a beaucoup d'anglicismes, il y a des anglicismes à travers, mais d'autres termes. J'avais déjà lu un lexique de certaines expressions montréalaises, puis je ne comprenais que dalle de ce qui était écrit, puis je me perdrais, mais ouais, ça arrive au sein d'une même ville. L'Abitibi aussi a son petit accent, mais c'est moins prononcé un peu. Effectivement. C'est moins prononcé. Mettons qu'on écoute le hip-hop québécois, là. Il y a vraiment dans l'underground, puis tout, là, il y a vraiment une influence vraiment très, très diversifiée des différentes langues et tout, pour se créer un langage qui nous est propre, en tout cas, dans le domaine musical, tout le moins. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose. Je suis toujours fasciné par ça, par. On parlait tantôt de l'Acadie, ben le Nouveau-Brunswick puis les provinces maritimes ont un français très propre à eux. Oui. Au Québec, on appelle ça le joual. Eux, ils ont une forme de français très 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 distinct qui s'appelle le chiac, ouais. Oui. Qui est vraiment encore plus l'anglais et le français qui est blendé ensemble, qui est mélangé. Ça peut être assez impressionnant. J'avais été en voyage d'affaires à Moncton. Puis il y avait un collègue de travail qui, je le comprenais mieux en anglais qu'en français, parce qu'en français, il parlait trop chiac, il mélangeait trop ses expressions pis ses mots. J'avais de la misère à le suivre, mais quand il parlait juste anglais, c'était plus facile pour moi de le comprendre. C'est impressionnant. J'avais un collègue de travail qui était originaire de cette région, et effectivement, il parlait un français cassé. Voilà ce qu'il me disait. Son français, il me disait, il parlait un français cassé. Et ce qui était amusant, c'est que lorsqu'il parlait anglais, à un moment donné, je lui dis, mais tu parles avec l'accent de Louisiane maintenant. C'est-à-dire qu'il avait pris l'accent de Louisiane. J'ai dit, mais quand t'es arrivé, t'avais pas cet accent. Il m'a dit, non, j'avais un accent canadien. Enfin, tu vois, donc les gens, maintenant, bon, il avait un accent tout à fait local, quoi. Vraiment, louisianais, Lafayette, tout ça. Et il m'avait expliqué, effectivement, tout ça, l'humour, les jeux de mots, ça passait par le passage du français à l'anglais, des choses comme ça, c'était très intéressant. J'ai eu Dans l'âge de bière, on avait exploré quelques expressions chiac dans nos épisodes d'Acadie. On a eu deux épisodes où on buvait des bières du Nouveau-Brunswick, puis on avait, pour le plaisir, on s'était un peu... tu sais, dans le temps qu'on avait copié sur vous avec vos expressions cajun, on avait... Bon, ben, quand on a continué vers le chiac, on en a appris beaucoup de belles. C'était très amusant d'explorer c'est quand même... les... Mais ouais, c'est génial. Ouais. Mais oui. Mais j'ai eu... Vas-y. J'aime la langue, moi. Non, simplement, je dis, j'aime la langue, je collectionne les expressions, oui. comme certaines personnes collectionnent, je sais pas, moi, n'importe quoi. C'est, moi, c'est ma collection, c'est les expressions et régionales, que ça soit si ça a une espèce de couleur. De couleur, de saveur un peu, ben, moi, j'aime ça. Voilà. J'ai une question. Oui. Pat, je sais pas pour Stéphane, mais je sais, Pat, tu nous écoutes quand même régulièrement. Oui. Est-ce que ça t'est arrivé dans les contextes de tous les jours d'utiliser des expressions québécoises à ta propre insu à cause que tu nous écoutes? De temps en temps. Alors là comme ça... En fait, je parle très peu, à part avec Stéphane et peut-être ma collègue de temps en temps, mais je parle très peu français ici. Mais peut-être dans ma tête, dans mes raisonnements ou dans mes idées, ouais, ça a pu m'arriver. Je te le dirai plus tard et je te reviendrai là-dessus, mais oui, ça doit m'arriver de temps en temps. Ouais. Tu emploies beaucoup divulgacher, par exemple. Ah, divulgacher, oui. Qui commence à s'imposer un petit peu en France aussi pour les gens qui essaient de se corriger. Oui, parce que tout à l'heure on était en réunion professionnelle avec des profs de français qui sont tous français de France. Et à part ma collègue, et ma collègue avait fait le gâteau des rois français du nord de la France. Mmh. Et on parle du gâteau des rois, et c'était une surprise en fait, elle voulait leur faire la surprise. Et tout d'un coup, je sais pas quoi, le gâteau des rois, j'ai dit, ah bah justement aujourd'hui, et oh, mince. Et j'ai dit, bah, ah désolé, je viens de divulgâcher. Et il y a un des profs qui me regarde, qui dit, oh, divulgâcher. et qui se retourne vers sa copine et qui dit, ouais, il dit divulgâcher au lieu de spoiler. Oh, ah. Ouais, c'est une espèce de correction. Mais moi, j'ai observé une chose qui m'a sidéré. C'est-à-dire des jeunes Français qui sont venus s'installer à Montréal ou au Canada pour des raisons de business, en définitive, d'économie.
et qui, lors d'une interview, avait l'accent québécois. C'était impensable il y a 10 ou 20 ans, parce que le centre de la francophonie, c'était Paris. Un Parisien ne perdait jamais son accent. Un Parisien qui descend dans le sud de la France ne prendra jamais l'accent des gens du coin. Jamais. Et là, il y avait un déplacement, tu sais, de l'économie, en définitive, puisque bon, et ces jeunes gens, originaires de Paris, commençaient à avoir un accent québécois. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais moi, en fait, je me rends compte, j'écoute beaucoup de podcasts français de France, et je me rends compte de plus en plus, parce qu'on est parti, moi je suis parti en 2002, toi Stéphane, t'es parti en 2003. 2003, ouais. Donc la langue, comme tu disais tout à l'heure, RF, évolue. En France, il y a de plus en plus d'anglicisme, mais des mots complètement, même qui deviennent des verbes, enfin c'est l'évolution de la langue. Moi, je suis un peu en réaction à ça. Moi, j'aime beaucoup je suis de plus en plus dans la démarche québécoise, c'est-à-dire, au lieu de dire spoiler, pourquoi on dirait pas divulgâcher? C'est beaucoup plus joli. Québec, ça. Oh. Ouais. Voilà. Québec, au lieu de chatter, pourquoi on dirait pas clavarder, tu sais? Ouais. Le Québec aime franciser certains mots. Je sais pas si c'est comme un espèce de système de défense. Peur de l'assimilation. La peur de l'assimilation. Ben parce que vous, en plus, géographiquement, vous êtes, vous êtes. On l'a eu rough dans l'histoire. On l'a eu vraiment rough. On l'a eu difficile. Si vous vous intéressez à l'histoire, je vous, tu sais, écoutez notre collaboration future avec Incredibilis. Oui. It's gonna be awesome. Tu viens de divulgacher quelque chose, Phil. Eh bien, vous l'avez entendu pour la première fois ici. Mais en fait, bon, pour résumer tout ça, moi, plus ça va, plus je c'est peut-être l'âge, plus je vieillis, plus je me dis, quand je parle français, je veux parler français, et quand je parle anglais, je veux parler anglais. C'est parce qu'on parle les deux langues. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Donc, on n'est pas dans un... pour moi, par exemple, c'est absolument pas valorisant d'employer des termes anglais du genre, t'as vu comme je parle bien l'anglais. Et d'ailleurs, lorsque je revenais en France avec ma fille qui parle superbement l'anglais, les Parisiens nous disaient, je ne suis pas de Paris, mais bon, ma fille vivait à l'époque en région parisienne, et les gens nous disaient, mais qu'on n'en faisait pas des tonnes sur l'anglais et tout ça. Je disais, ben oui, quand je parle avec ma fille, je parle en français. Je suis pas en train de lui parler en anglais pour faire style, tu as vu comme je parle bien l'anglais. Moi, c'est pareil, on enseigne le français. On enseigne le français. Donc, quand on enseigne le français, voilà. Et après, quand on se tourne vers un collègue ou une collègue qui parle anglais, on parle en anglais. Mais je parle pas, une espèce de mélange des genres. Et moi, plus ça va, plus quand je parle français, j'ai envie de parler français. Quand je parle anglais, je parle anglais. Voilà. Bon. Cette bière est magnifique. Hein. Ouais. Mais, tu sais, est-ce que c'est un rachat, les gars? C'est clairement un rachat. Oui. Non, je sais pas. Je sais pas. Il faut que j'y réfléchisse. Chez nous, La fin du monde, c'est un classique. En fait, pour vous donner une idée, quand je suis allé la chercher hier, La fin du monde, c'est acquis, en fait, que tu vas trouver ça n'importe où. J'arrive dans le premier magasin sur mon chemin que je vois habituellement. Je trouve la IPA du Nord-Est, pas de problème. Je cherche La fin du monde et j'en trouve pas. Ben, je vois le rack de Unibrew, puis je suis comme, il n'y a pas de fin du monde. J'étais, voyons donc. Puis là, je cherche, je fais deux, trois fois le tour du magasin, je trouve une caisse de bière mixte où il y a plein de sortes d'Unibrew et La fin du monde. Et là, je voulais pas acheter une grosse caisse pour une bière. Fait que j'ai demandé à la personne qui travaillait là, est-ce que vous avez La fin du monde? Elle dit non, on ne plus, on l'a toute vendue. Oh. Ah ouais? Elle dit, ça part tout de suite. Fait que tu sais, au Québec, la bière d'Unibrew, La fin du monde, c'est dans les classiques, pour vrai. Fait que je suis content que... aujourd'hui, vous puissiez y goûter parce que c'est vraiment une incontournable bière québécoise, pour vrai. Puis la deuxième qu'on va boire plus tard aussi, là. La semaine prochaine? Parce que la semaine prochaine! Oui, la semaine prochaine! Kevin, pourquoi tu fais des clins d'œil? J'ai la poussière dans le visage. Oui. C'est le chien, c'est les poils de chien. Ce que j'aime bien, c'est que tu nous expliques, voilà, justement, c'était un petit peu ma question, est-ce que c'est une bière pour les itophiles, est-ce que c'est une bière... Mais c'est vraiment une bière qui est appréciée par les Québécois, disons que s'ils ont envie de boire une bonne bière, ils y vont, quoi, directement, ils vont boire celle-là, quoi. Moi, je trouve que cette bière-là rentre effectivement dans les bières... tu sais, on parle souvent de brasserie de transition, là, mais celle-là, c'est comme une bière de transition. Tu sais, parce que Unibrew, c'est quand même une grosse microbrasserie au Québec. C'est pas Molson, c'est pas la BAT, effectivement, mais c'est une grosse microbrasserie. Puis je trouve qu'elle développe ça, tu sais. Elle développe ce goût vers l'aventure de toute la palette de saveurs qui existe dans la microbrasserie, dans la bière, en fait. Je pourrais enlever microbrasserie, juste dire dans la bière, là. C'est juste qu'au niveau commercial, en ce moment,
ce qu'on connaît dans les très grandes brasseries, très similaires, ou en tout cas, ils restent dans les mêmes types de saveurs. Mais je trouve que Unibrew nous amène très bien vers là. Fait que c'est comme une bière de est-ce transition. Qu'on peut comparer ça chez nous à la Sierra Nevada ou la Anchor Steam? Aucune idée. Et je vous écoute parler de ces bières-là, puis je suis pas certain. Sierra Nevada et Anchor Steam, j'ai l'impression que ça va vraiment dans le niveau du craft. Corrigez-moi si je me trompe. Oui, oui. Mm-hmm. Mais c'est des pionniers. C'est des pionniers. C'est pour ça oui, que je. Oui, mais c'est ça. Oui, ouais. Niveau historique, je pense que oui. C'est des pionniers. Unibrew aussi. Qui ont inspiré les autres, qui ont fait quelque chose de différent, qui revient à la tradition des bières que les gens buvaient avant. Toute cette espèce d'océan de lager macro, brewery, etc. Et en fait, ça a réveillé les gens, c'est-à-dire, mais attends, il y a autre chose aussi. Effectivement. Bien sûr. Effectivement, oui. Je pense que oui. Effectivement, là, je pense qu'on est dans ce mouvement-là ou ce tremplin-là de réveiller certaines personnes puis dire, ah, mais si eux, ils ont fait ça, moi, je peux amener d'autres choses, tu sais. Exactement. Mm-hmm. Je regardais un documentaire l'autre jour, Stéphane, dont je parlerai dans un épisode suivant, sur le patron de la brasserie Stone aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, voilà, Stone. En fait, le documentaire, c'est son aventure. Il est arrivé à Berlin et il a décidé de monter une brasserie à Berlin. Une brasserie craft américaine à Berlin, c'est-à-dire évidemment au centre de la bière allemande, du vieux Lager, monde, etc. Hells et compagnie. Et il racontait un petit peu, il racontait son histoire personnelle. Il disait quand il était à la fac, il aimait beaucoup le punk rock et il fréquentait un bar, je ne sais plus dans quelle ville des États-Unis. Et dans ce bar, à la pression, ils avaient la Anchor Steam. C'est une des premières bières un petit peu retour à la tradition de la bière, etc. Mm-hmm. aux États-Unis. Et il a découvert ça à la pression et il s'est dit mince, la bière, ça peut être ça. Et c'est ça qui l'a inspiré. Oui. Et ça a complètement changé sa vie parce que maintenant, il est brasseur. Mm-hmm. Après avoir goûté cette Anchor Steam, est-ce que l'Unibrew, c'est un petit peu ça au Québec aussi, c'est-à-dire une des premières qui a un peu ouvert l'esprit aux gens de se dire « mince, on peut faire ça aussi en bière ». Je suis pas mal certain. Tu discutes avec des brasseurs qui ont été dans les pionniers ou des gens qui ont commencé à boire des bières de microbrasserie. Si tu leur demandes c'était quoi leur première bière qui les allumait, tu risques d'avoir des réponses dans Unibrew, puis des réponses dans Boréal. Tu risques d'avoir des réponses dans Cheval Blanc peut-être aussi. Dans vraiment des pionniers, Unibrew sort souvent comme nom de bière, oui et non. On va dire, d'inspiration. Oui et non, sinon on va tomber dans l'importation de tu sais, là, Moretti, puis tu sais, là, dans l'importation qu'on voit tout le temps, là. Tu sais, des bières que le mononcle connaît Guinness, pas moins. Guinness, Guinness, qu'est-ce qui est important aussi? Buddington, des choses comme ça, tu sais. Oui, il y a ça, mais Unibrew a vraiment lancé un mouvement, je pense. Mais je serais vraiment curieux d'entendre Phil, moi, étant donné que, tu sais, Phil, quand il a commencé à travailler, où il travaille, son boss commençait à ouvrir une microbrasserie. Ça faisait pas si longtemps. Je serais curieux de t'entendre. En fait, moi, Unibrew, c'est ce que j'appelle un peu, dans ce style-là, c'est des bières éducatives. C'est le style de bière qu'on découvre et que c'est ça qui nous éduque sur la bière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mm-hmm. Donc, c'est comme un chemin qui nous amène à découvrir autre chose et à se développer en tant que brasseur ou développer en tant que dégustateur. Ouais. Moi, j'allais dire pédagogique. Donc, tu dis éducatif, dire bien pédagogique. C'est pareil. Voilà. Exact. C'est exactement la même chose. On s'entend. Prenez ça dans votre pipe et du calcul. OK, et du calcul, pour nous, c'est comme un organisme qui gère la consommation d'alcool au volant. T'sais, qui font des pubs. Qui essayent d'apprendre au monde à pas trop boire. Exact. T'sais, de consommer avec modération et tout ça. On a besoin de ça au Québec. Très bien. Eh bien, messieurs, je crois que cette discussion sur cette brasserie Unibrew qui a un petit peu lancé la bière, qui a donné aux gens des idées que la bière, ça pouvait aussi être ça, et qu'on la goûte aujourd'hui. Moi, c'est ma première fois. Je suis vraiment impressionné. J'aime beaucoup. Ça serait un rachat pour moi. Wawaron? Je vais entendre. Alors, Wawaron. Moi, je me tiens au 17,5 qu'on a mis la semaine dernière pour une bière excellente. Moi, je mets 18. 18, ouais. Moi, je mets plus que... Oui, ouais. Parce que celle-là, la semaine dernière, c'était une brette faite dans l'Oklahoma, qui était très bonne. Mm-hmm. Mais ça, alors, pour moi, j'en boirais peut-être encore de celle de la semaine dernière. Celle-là, c'est un rachat absolu. Mm-hmm. Ça, c'est clair. J'en rachèterais, j'adore. Puis c'est...
on l'a sous la main, quoi. Ça, en plus. Voilà, c'est... Pour moi, c'est 17,5 parce que c'est effectivement, on le disait, une bière éducative, pédagogique. Alors, lorsque j'étais en Europe, bon, on est un petit peu chanceux en France, j'avais accès, après des bières très commerciales françaises, assez rapidement aux bières belges. Bon, ça, c'est de la chance. Lorsque tu as de la Chimay, de la Rochefort, dans ton supermarché, tout ça. Et donc, le rapport que j'avais avec cette bière-là au départ, c'était un rapport, je me disais, mais pourquoi ils essaient de faire comme les Belges? Voilà, c'était un petit peu, j'avais du mal un petit peu à comprendre le nouveau monde par rapport à l'ancien monde. De là-bas, oui. Mais oui, parce que je vivais en France, puis bien en France, à la France profonde. Et donc, 17,5 parce que c'est une bière exquise, évolutive, complexe, pédagogique, éducative, et qu'on peut trouver partout. Enfin, voilà, c'est ça. Quelle panoplie d'adjectifs, Stéphane. Voilà, voilà. Alors, pour vous, les boys. Ben, nous, c'est pas une habitude qu'on a de donner des notes aux bières, mais parce qu'on est dans Binous. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais le faire parce que je veux respecter la tradition, puis je veux donner des wawarons à les bières que je goûte dans Binous. Je l'avais fait, d'ailleurs, la dernière fois. Moi, je vais être un peu plus conservateur dans mes notes parce que si je compare aux autres produits du Québec, elle est dans les pionniers, mais je pense qu'il y a des choses qui se font de mieux dans ma palette à moi. J'irais plus dans le 16. 16 wawarons. C'est très, très bon déjà. Oui, parce qu'effectivement, c'est peut-être pour vous une bière qui est déjà 25 ans, 30 ans d'âge. Exactement. 25, il y a beaucoup de choses qui se sont faites après ça, mais Elle a quelques minutes parce que c'est la première fois que je la goûte. Ça reste une bière qui a marqué sa place puis qui doit la conserver quand même. Puis qui la conserve, hein? Oh oui. Les gars, est-ce que vous vous lancez sur une note? Moi, fidèle à moi-même, j'y vais toujours avec le côté surprenant. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu, puis elle me surprend toujours. C'est comme une ex-fréquentation qui revient tout le temps. C'est toujours agréable. C'est toujours agréable. Ça veut pas dire que c'est toujours celle-là qu'il y a dans mon frigo. Fait que voilà, c'est mon appréciation. J'y vais un peu avec cette généralité. Et donc tu mettrais combien de wawarons? Ah non, moi je mets pas de chiffre. Ah, tu mets pas de wawarons? D'accord. Jamais. Ok. Sans mettre de chiffres, moi non plus. Ben, la fin, ça faisait, pour vrai, ça devait faire 10 ans que j'en avais pas bu. Ah, c'est le cégep! Ouais, c'est ça. Mais c'est un beau retour. Je me rappelais plus que c'était ça, le goût. C'était à ce point-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu de ces bières. Et c'est vraiment excellent. Puis en plus, faut dire, Phil, tu sais, ça fait un an qu'on boit de la bière puis qu'on s'habitue à dire, ouais, ça goûte un peu ça. Tu sais, qu'on pousse. Qu'est-ce qu'on goûte? Tu sais, on essaie d'aller le plus loin qu'on peut dans ce qu'on a en bouche. Fait que leur goûter après toute cette expérience, c'est vraiment quelque chose. Il faut aussi se dire qu'eux autres aussi, ils ont 10 ans de plus à l'arrière de la cravate. Effectivement. Donc, ils ont quand même 10 ans d'expérience de rajouter de leur côté. Je pense que ça paraît aussi, c'est vraiment des produits maîtrisés au corps de tour. Ouais, c'est ça. Je serais curieux de faire vieillir une fin du monde, 2-3 ans. Ouais. Il y en a qui le font. Je pense qu'il y en a qui en ont encore des fins du monde des années 90, juste dans l'espoir de les ouvrir à un moment donné pour faire une dégustation. Ça doit être assez spécial. Hey, faudrait demander à notre ami Vlad s'il y en a une. Vlad? Il était au Québec, lui, Vlad? Je sais pas, mais Vlad, c'est un de nos amis qu'on a rencontré dans l'épisode, puis il nous contait qu'à un moment donné, il y avait comme un hype de conserver de la bière, puis d'avoir des bières rares. Un breton en passant. Ouais. Puis, tranquillement, pas vite, il a dit, écoutez, les gars, moi, j'ai plein de bières dans mon sous-sol. Ils sont clairement trop vieilles, là. J'en ai trop, là. J'en ai trop gardé. Puis, c'est sûr qu'ils sont plus bonnes. Mais si vous venez... C'est encore étonnant. Si vous venez, on va se faire un épisode de bières trop vieilles. J'ai ouvert une bouteille l'autre fois. Vous l'avez vu, j'ai même fait un live là-dessus. Sur Facebook, ça, c'était, c'était génial. Oui, une bouteille d'une bière de Noël allemande, d'une brasserie qui n'existe plus. Ça doit faire 10-15 ans. La bouteille a minimum 20 ans, selon les recherches que j'ai faites et les commentaires que je suis allé chercher. Ça datait du début des années 90 et c'était délicieux. Ouais, c'est aussi une bouteille. J'ai cru que tu disais dégueulasse. C'est une bouteille peinturée. Quand même. C'était une bouteille en céramique. En céramique, donc, ouais, okay. Elle a été conservée dans un sous-sol pendant tout ce temps-là à la fraîche. Elle avait des conditions de conservation idéales. C'était dément. Je l'ai bu au complet. Je suis pas viré aveugle. Ça goûtait vraiment la Keep Ale, la Old Ale, là. C'était, parce que prenez une Heineken, mettez-la à côté du calorifère sur la fenêtre, et c'est sûr que après 20 ans, c'est plus la même chose. Non. Il est pas viré aveugle, mais il est pas capable de voir que Stéphane a des cheveux gris. Mais bon. C'est une blague.
Bon, eh ben les gars, est-ce que j'ai envie de faire un épisode passerelle, c'est-à-dire que on va pas faire, on a parlé de beaucoup de choses en fait. Bah oui. On a parlé de langue, de vocabulaire, d'accent, on a parlé de tout un tas de choses. Est-ce qu'on en resterait pas là et qu'on se reverrait la semaine prochaine pour une autre bière? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, bien sûr, on pourrait faire ça. Moi, quand je t'ai, parce que là, ça me moi, pas... quand je t'ai invité, quoi que, j'aurais quand même envie de vous présenter une chanson qui est en lien avec cette bière-là. OK. Ah oui, oui, exact. Pardon. Bon. Vas-y. Ben, c'est correct parce que je trouve que ça pourrait peut-être, on pourrait peut-être finir là-dessus, en fait. Mm-hmm. La chanson, je veux vous la présenter parce que c'est un artiste que j'aime énormément. Qui est aussi un des artistes en fait qui ont produit la chanson qui est la thématique de notre podcast L'âge de bière. Il s'agit de Serge Robert alias Mononcle Serge qui a une chanson qui s'appelle La fin du monde et je me suis dit que ça serait le bon moment de la présenter. Elle est sortie sur l'album Pourquoi Mononcle Serge joue-tu du rock'n'roll? C'est le titre de l'album en 2013. Un de ses très très bons albums que je vous recommande fortement. Donc c'est La fin du monde de Mononcle Serge. Contextuel, je me suis dit ça serait bien de vous faire écouter ça, notre Mononcle national. Absolument. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est que ça sera le générique de fin de l'émission. Oui. On vous laisse le morceau à la fin. Mais Stéphane, alors on vous dit à la semaine prochaine. Bien sûr, nous faisons partie du label Podcut, podcut.studio. Retrouvez tous les podcasts du label et aussi leur Patreon/Podcut. Stéphane, on donne à nos amis québécois rendez-vous la semaine prochaine et à nos auditeurs, nos auditrices. Et Stéphane, le mot de la fin. B-News. C'est la fin du monde qui était à peu près temps. Depuis que la Terre est ronde, ce monde était pas trippant. Après des milliards d'années de chiots sans que ça slack, on débarrasse, dit le vieux sage qu'en avait sa claque. Regardez-moi tous ces gens anxieux et ridicules, obsédés par leur apparence et gavés de pilules. Il était grand temps qu'on abrège leur souffrance, que quelqu'un tire la plaque, qu'on lève l'audience. Ça y est, on ferme la chope, ça y est, le marché s'écroule. Il était temps que le fermier chope le cou de la poule. Il regarde dans le miroir le visage blême, rempli de rancœur et de haine d'eux-mêmes. Et plus les jours passent, plus ils sont flasques, plus mous, plus mornes, plus dégueulasses. Ils s'enfoncent dans la déprime comme dans des sables mouvants, et ils poussent l'indécence jusqu'à avoir des enfants qui deviendront bientôt aussi déprimés qu'eux autres. Ah oui, il était grand temps qu'on s'aborde le mot. Il était temps que ça cesse, il était temps de fermer boutique. Il était temps que la lame, la guillotine s'abaisse et que le son gicle. Il était temps que ça vole, il était temps que ça se déchaîne. Il était grand temps qu'on crisse tout ça à bol et qu'on tire la chaîne. Ça y est, c'est la fin du monde. Wow. Nous voici quelques secondes après la fin du monde. Sur le ciel rouge, plus rien ne bouge. Et sur les chemins qui ne mènent plus à Rome, plus rien ni personne ne s'ennuie des hommes. Voici la fin du monde, voici la fin du vaudeville. Il était temps que le rideau tombe et que la salle se vide. Oui, tout ça était un flop, la critique est unanime. Il était temps qu'on pèse sur le bouton stop et qu'on rembobine. Voici les trompettes qui sonnent la retraite. Voici le vacarme des sirènes d'alarme. Aux abris tout le monde.